ti tozo kende ti tozo tozo bima avant kufa ngana yi to bandagi déjà ba prière nakata zodiac baninga tengwe kokie L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Moi, le pasteur, je serai content d'avoir ton 1000 dirhams. Mais si Dieu n'est pas content, mais ce qui n'est pas content, tu vas aller en enfer. Tu ne financeras pas Dieu par te dire. Tu veux dire Tolo de la vie. Tolo de la vie. Au moins, il n'y a pas de la vie, c'est un fimbo. Fimbo, fimbo à quelqu'un. Fimbo à quelqu'un, c'est un bête dans ma danger. Tolo de la vie, impact dans l'idéologie. Des rois, des rois.
Merci. Pose la question de savoir ce qui va tenir sur mon tuna. Qu'est-ce qui pourrait rester dans nos têtes? Ni ne que quand tu cala la mituna biso. Je suis sûr que chacun de nous dira que Nandimi était mon qu'on a biso à Koloba. Cet homme que nous allons enterrer aujourd'hui. Moto tolito kunda sikoyo. Nous l'avons connu comme étant un serviteur de. Et bah qui est Mosali Nzambe. Peu importe la circonstance. Ata kololenga ni beaucoup tanaki. De toute manière la mort nous marchons avec la mort. Iwa totambo la kanango. C'est un serviteur de Dieu. Alaï Mosali Nzambe. Et je pense que notre présence enseignée, c'est pour honorer aussi. Toyende ko ngumba mela. Notre Dieu. Nzambe na biso. Surtout accompagner son serviteur. Petotika. Avec dignité, avec honneur. Mosali na ye na lokumu nyoso. Jusqu'à sa dernière demeure. Tinanda kone ya suka. Donc voilà pourquoi. Tala lolenge nini. Je vais inviter. Na kobengisa. Notre bien-aimé Moke. Ndeko ya biso molinga mi Moke. Qui va nous conduire dans un champ d'adoration. Et à côté de Kaloyembo Moko. Afin de progresser dans le service. Pour être poussé dans la misala. Pour que ce corps soit enterré dans la paix. Pour être nzoto ezonga na mputulu na kimia. Amen. 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 Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Dernier jour de pour partir. Pasteur, priez pour moi. Mon j'ai mon descendiram ici. La Bible me dit ceci. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Moi, le pasteur, je serai content d'avoir ton 1000 dirhams. Mais si Dieu n'est pas content,
Mais ce qui colle à Zana, c'est tu vas aller en enfer. Tu ne financeras pas Dieu par tes dires. Mais il faut accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Il m'a dit que le bon à mon côté. Alléluia. Bien aimé, aujourd'hui, beaucoup de gens, c'est là où je dois finir. Beaucoup de gens disent qu'il n'y a pas de vrai pasteur. C'est ce qu'ils disent. Les pasteurs sont des aventuriers. Si nous, nous sommes des aventuriers, moi je te demande d'aller chercher une église où le pasteur n'est pas un aventurier. Voilà. Parce que les pasteurs sont des portes. Les pasteurs sont les portes qui amènent quelque part. C'est pourquoi Jésus pouvait dire sur la terre, un aveugle ne peut pas conduire d'autres aveugles. Voilà. Ils tomberont dans un trou. C'est-à-dire un pasteur, c'est une porte. Amen. Et les grandes portes, c'est Christ et Jésus. Amen. Et aujourd'hui, toi qui n'as pas accepté Jésus comme Seigneur, il dit, viens à moi. Et vous qui êtes chargé et fatigué, et moi l'Éternel, je vous donnerai une réponse. Amen. 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 Le trait qui est au milieu, ça symbolise la vie du serviteur de Dieu sur la terre. Ça symbolise sa vie. Le parcours de sa vie. Qui était cet homme? Comment il a vécu sur la terre? Et qu'est-ce qui a fait qu'à la mort d'une personne, il y a des gens qui viennent avec joie? Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui fait que, au lieu que les gens soient attristés, mais les gens viennent avec pour adorer Dieu, pour louer Dieu? Et ce qui fait cette différence, je pense, c'est son parcours sur la terre. C'est un homme qui a laissé des traces. C'est un homme qui n'a pas été un homme ordinaire. Donc voilà pourquoi, pour nous permettre à écouter ce qui était la vie de cet homme, je vais laisser la place à l'évangéliste Didi, le pasteur actuel de l'église Elohim. Parce que le frère était un grand rassembleur. Alors beaucoup de ses membres aujourd'hui sont en Europe. Et aussi, selon la collaboration ministérielle, il avait coopté beaucoup d'hommes de Dieu avec qui il a travaillé parce qu'il reconnaissait la grâce de tous les hommes de Dieu. Alors, l'homme de Dieu, l'évangéliste Nkambe, avait été l'un des premiers hommes de Dieu qui avait apporté sa collaboration, ainsi que d'autres éminents hommes de Dieu qui sont ici. Yé Abotamina Kinshasa le 5 décembre 1979. Il a fait ses études primaires. Yé Atangi Kelas Naye Bandeli. Et secondaire. Pena Kelas Yamiko. Dans les établissements publics de Kinshasa. Nakati Yaba Kelas Ya et Kinshasa. Aya quitté son pays. A Lungwa Kimboka Naye. La République démocratique du Congo. Namboka Ngumba Congo. En 2010. Namvula ya 2010. Pour s'installer. Ici au Maroc, depuis 2011. Et en 2012, il lève dans le ministère au sein de l'église El Shaddai. Et chacun de nous que nous connaissons tous, cette église qui est dirigée par le prophète Osée. C'était à J3 à Rabat à cette époque. Jusqu'à 2015. Conduit à bâtir une église à laquelle il a baptisé du nom de Elohim. Précisément, c'est à Kwas Rabat. À la même année, c'est-à-dire en 2015, à sa demande, il est ou il a été ordonné étant que évangéliste. Selon Éphésiens chapitre 4 verset 11. Par notre bien-aimé, le pasteur que nous connaissons tous, c'est-à-dire celui qui l'avait ordonné, le pasteur Salomon Eheke, en 2015, pour œuvrer, premièrement, humblement, et pleinement dans son ministère au sein de l'église Elohim, où il a été en tant que pasteur ou gardien de brebis, ce que nous appelons le berger. Si vous avez un problème avec Jimmy, ce que Zali n'a likambo na Jimmy, si Jimmy a votre dette, ce qui Jimmy a Zali ne loko esengeli na ko futa yo, viens nous voir.
yaka bongo kokutana na biso. Si tu as un problème avec Jimmy, soko zali na likambo na Jimmy, viens nous voir. Yaka okutana na biso. Si Jimmy avait pris ta dette, soki Jimmy azwaki eloko songolo ya yo, viens nous voir. Yaka pe komona biso. Je remercie la colonie congolaise. Nazali komemi ya penza colonie ya Congo. Je remercie l'ambassade. Nazali komemi ya ambassade ainsi que tout et chacun nous présents. Nazali komemi ya bayonso obazali esika o. Que Dieu vous bénisse. Zambe ya pambo. Comité congolais de Pessi Penza Matondo la Motonion soit Oebiko Simba Ngonga Onion Sotoleki Sine Bandelkino na Souka. Que ce soit financier, matériel ou spirituel. Et Zalana Misolo, Nama Oto Pessa Kipena Nion Soto Salaki na Molimo. Dès le début, la communauté a accompagné ces programmes, que ce soit à Nador, à l'ambassade, et chaque côté administratif, on a été là. Ana Ebandeli. Communauté ebaki kotambwisa makambu oyo ne bandeli na makambu pe na makambu etalaki lokasa tozalaki wana. Donc je profite pour lancer à notre communauté. Nazali kozwa penda libaku malamu oyo pona kolobela na bainyonso oyo mboka na biso. Tant que on sera unis comme dans ce programme, on fera beaucoup de choses. Nangonga nyonso oyo tokoyeba kozala bomoko lokola na ngonga oyo tokoyeba kosala makambu ya mine. De Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Mali, Maroc, Vraiment mes condoléances aussi parce que Jimmy a dit qu'il est mon malamo et j'ai perdu un fils spirituel parce que c'est moi son pasteur qui l'a ordonné en 2015 comme évangéliste. Vraiment la douleur
Ponaye et c'est un homme humble pour simplicité, humilité, beaucoup d'obéissance, vraiment personnel. Les autres qui font le témoignage pour la M. Jimmy, on a pu avoir un petit peu de comment, avec souci, l'amitié, les amis qui partagent, pas sur lesquels ils sont, parce que devant ce soir, tout le monde, il y a un petit peu de temps, on a certains frères, comment aime-le, aimé par tout le monde, comment l'invité, je manque de mots, à s'exprimer vraiment, la zone Sida, il va Zambé, Zambé, Ayamaye, et son âme. Ce que je peux dire par rapport à l'homme de Dieu, c'est ça. C'est un homme humble, toujours à l'écoute. Il ne parlait pas trop. Même si on le taquinait, il était toujours serein. Et il était vraiment joyeux quand on était avec lui. C'était vraiment heureux. Donc c'est le souvenir que je peux garder, que je n'avais pas oublié de frère Jimmy. C'était un homme modèle, un homme humble, doux et qui écoutait vraiment. C'est juste ça. Vous avez l'air avec Moutoumala. Si toujours kende, si toujours bima avant Koufa, Nganaï, tout bandagi déjà par prière. Nakata Zoudiak, tout bon de la Guinée, il ouvre Ibisira, il a mamou Benga, Zambé. Zambé. Yazaki Moboko, pilier. Azaki mon taïbo sangissa, tout va naki naïe bien. Donc tant de maman va les lier. Yazaki mon tabatou, alingaki mon tunio, ça va nous apporter na mon touté. Nous sommes battés là, nous sommes zoé si kaki. Il est vraiment tout cas, mais sur tout ça, convaincu vraiment que c'est la naïe ça pour les. Pour Yazaki vraiment mon touté, na obatnio, tout bazolo baki mon tamalam. Azo ma bien na mon touté et l'eau mon côté. C'est vraiment quelqu'un qui m'a beaucoup marqué. La partie humilité naïe, douceur naïe. Persévérance et puis vraiment sans soi-même et à zèle na Makambo Nzambe, c'est vraiment quelqu'un qui m'a beaucoup marqué. Personnellement, na tikel na mauvais souvenir na été parce que c'est vraiment ça qu'on fait au Balikambo Nzali. Donc vraiment que le Seigneur soit loué. Donc nous autres na épée Malakimia à Sali Tangunaye, peut-être vous allez m'inviter mais Nzambe ya yebi ce qui na nzela ya ministère na yé. Donc, On avait de bonnes relations avec lui, en tout cas papa, parce qu'il m'a joué le problème à ma bête. C'est un homme, en tout cas, je vais témoigner pour lui, c'est un homme humble tout d'abord. Humble parce que moi, humble, je n'ai pas de problème. Mais ce qui est très mal, de quoi Koufi, même il n'a pas le bango parce qu'il faut dans le bango. De quoi Koufi, ils ont battu, 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 na muto boye bivi na ete nga ku fait quel problème na nzambe biso to sala to ko sala to konde ko na biso na kimia jima dans la première muto te nga na yi jimi na maroc a sona muto te a finga muto te mais pourquoi bozo te na biso makama be na les réseaux sociaux ce ko na maroc ko za liba na maroc ko zo kanga ndeko to sengyo pe na olongo la makamo la poza bien te nga senja ma pambo la biso ke limu ende ko na biso musa na nzambe pe na kimia vraiment pour fana ye et pe biso pas mingi mais auto souhaiter que son âme repose en paix, des bonnes choses dans la famille, puisque ça n'a qu'à ça par-ci par-là. Ça m'a vraiment assisté à consoler mon thème à la pour mon sur le Congo. Frère Jimmy, c'est mon frère, c'est un évangéliste de l'église Elohim. La première chose, avant Ayana, Elohim a bâti l'église Elohim, Azaï n'a pas d'angaï, c'est moi, prophète aussi. Je dis l'église Assemblée chrétienne, Aïchadaï. En tout cas, ils ont tous un passe-macasse pour paix des morts. L'homme de Dieu Timital,
la scène mais beaucoup de plus mes condoléances, la souhaité mes condoléances, la famille d'Aïe, dans tous les familles chrétiennes, au Bajon Namboko, au Maroc, et dans l'église Elohim, dans Poto, dans Visigalé, dans Ajoamna, Evangeliste Kébé, mes condoléances, mes amis, Zamba Pambola. Tout le monde ici, le coup, mon Zambé, parce que Moutoua Moutouya, Aouti Kolunga Katinabiso, Moutoua l'attaque identité à humilité Katinaye. Mutoye ba kikoye ba ngulu ya mutonyonso. Mais le lenge Bible le binzambe mutape sakapa zwaka. To zongisi le komunyonso na nzambe, te bi kezali nzela na bisonyonso, lobi tout na sima ya lobi biso peto kolana. Que son âme vraiment repose en paix. Et nzamba pambola mutonyonso o ya zaki mobilisé pour na koya ko honorer moment o. Na kombo na Jésus Christ o nzamba pambola bisonyonso. Jeune frère Azalaki vient à Mandek pour se comporter bien à Bissot. À la veille même, trois jours avant sa mort, j'étais avec lui ici à Rabat, à Kiti du Soulassé. Malheureusement, c'était la dernière fois que tu as en aille. C'était un frère humble. Mais la Bible de lui était à changer qu'à adresse de beaucoup d'années. Donc, je sais que Azam, moi, là, tu as un exemple de Bissot là-bas. Opportunité merci vraiment merci à tous événement où on participé à Mambo on a l'équipe pasteur Watiki Biso Jimmy il était bien avec tout le monde vraiment pamboli nzambe po elekina kimia tant que vous êtes nzambe. Donc, il y a un message fort pour le peuple congolais, pour la communauté congolaise, ce que les amis nous nomment. Donc, comme si nous avons pour gloire, nous n'avons pas de la communauté. Mon sauveur, mon seul espoir, dis-moi pourquoi tu m'as abandonné. Si ma cosili sa bozuna e nyon soit soit que pa papa alobi na kozonge pa papa nangai lolenge moko nangai na telenga na te na zaka kamwana bomo inanga na sena moy olobana ngai okozala nangai bobonga nangai lobi nangai esi mama na loboko na yo lova pasi kolo. Singing a mwana na leli. Mon Dieu, pourquoi? Dis-moi pourquoi tu m'as abandonné. Mon Seigneur, mon Dieu, dis-moi pourquoi tu m'as abandonné. Mon sauveur, mon seul espoir, dis-moi pourquoi tu m'as abandonné. Kolela tango nyoso te Malelo na ye Lelo na zwi mokano Malelo na ye Na zongi epa papa na ngai Malelo na ye Batu nyoso ba epa na yo Bakuta maboko na yo ya kofungama Bona koyamba bango. Au monde, il y a la vie de 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 la vie de